On va Russ Lulu du coup bot. Va start Q je pense. J'ai pas envie d'aller level 1 donc je pense qu'on perd. Voilà. Je vous le dis, comment dire, le prime time de Xayah Rakan. Ça a été Varus. Alors qu'il a une Lulu. Bon, c'est un troller par contre. Mais donc le prime time de Xayah Rakan, l'époque où ça fumait tout le monde level 1, est bien loin. Il a quoi comme sort par contre là? Parce que... Which spell did you take? Il les regarde genre. Bah Doran Blade frère, t'étais pas censé être AFK pendant tout le level 1 en fait. Après j'aurais dû jouer épée longue vu que Varus joue comète. J'ai pas fait attention. Je peux mourir vraiment bientôt. Hein. Essayez de pas prendre des dégâts parce qu'il a l'air de vouloir gank bot. Ah, ça fait un peu par Renek. Bonne chance à tous, hein. Ça commence bien. Good pick and good gameplay. Bon, il gank bot, il meurt. Et il nous flame, classique. Je vais mute les deux là. On va pas perdre de temps. On va pas perdre de temps à cette chat, on va se focus. Je pense que cette game va être dure, c'est une game qu'on peut win s'il n'y a pas de mental breakdown. Là on a bien l'air d'être parti pour, mais tranquille. On va pas se prendre la tête à essayer de chat. Hein. Pour le coup, c'est vraiment temps perdu plus qu'autre chose. Ok, on est level 3. Ah ouais, contre... Varus, je pense qu'il start eux, il me shield sur les E de Varus, c'est vraiment top tier. Hein. Est-ce qu'il peut perdre le canon? Nice. Ok, on a le flash Varus, on peut pas avoir beaucoup plus. Le problème c'est que Odoamne va être un monstre avec son Renek là. On va essayer de repousser ça. Je check que c'est pas pinké tree, à moins que ce soit pinké. Mais... pas pinké ni wardé. Je vais pas poser ma barre parce que lui a un red trinket à très probablement venir check. M'étonnerait qu'on puisse tuer hein. Oh, il troll. Twitch kill les gars. Top lane, non. La botlane respecte, la game est tellement instant lose. Ça va être une partie très 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 difficile, hein, je vous le dis. J'essaie de prendre des plates, mais... Là t'es un top qui va tomber à genre 6 minutes 20.
Je vais reculer. Will fall a bit too fast, Imo. Il y a la mana pour W là? Ouais. Il le prend aussi, ok. Bon, j'espère qu'il met un V9. Il prend tous les kills avec son E. J'ai des doutes de sa capacité d'un V9. Ouais, quoi qu'en vrai, c'est tout chappé. C'est juste que là. En fait, Renekton me fait très très peur. Vas-y, on va recall. Au moins, Syndra a kill Lulu. Ça, c'est cool. We'll need Drex Imo. Il a pris la T1 à 7 minutes 30. Bonne chance à tous. Merci Nonico pour le RISA, merci pour la Z, merci Clavier Cool, merci beaucoup à vous pour le RISA, le soutien. Pour le compte de fou de Twitch. Yo, merci pour tout. Ok, ah, ce premier Drake, il faut le rouler T2 hein, par contre, parce que. Après, tu me diras, j'avoue que. Une T2 concrètement, c'est quoi? C'est 600 gold? C'est 4 plates, on en a donné 5 avec une tour, donc tu veux dive ou pas? On va se faire cancel hein. À 90%, ah quoique, en vrai je push le rue. Oh, j'ai peur. Bon, il n'a pas commit. Pff, il est effrayant, hein. Il est très 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 effrayant. Pinky Superma, je repars bot. Sin T3 hold hein. Il va keep hein, je vous le dis hein. S'en bat les couilles. Nice. Ok, VTO s'occupe de la top lane, heureusement. Yeah, c'est bon, il est pas là.
Kraken cette game je pense, je vais le cancel. Je pense à une Kraken game. War equal. Esquivera. De toute façon, j'avais dit, je prends Cleanse pour jouer Kraken justement. On va repartir bot. Bon, il est comment? 125 CS, 1 kill. C'est quoi? C'est 400 gold du First Blood, 600 gold de la T2. First Blood tourelle, 450 gold. Plus 5 plates. C'est beaucoup d'argent quand même, hein. Qu'il a récupéré sur son Renekton là. Il est quoi niveau 10? Ouais. Ah, il fait proleur, évidemment qu'il fait proleur, le salaud. Peut-être le temps de prendre plate. Ok, ça t'humide pendant ce temps. Non, la Ward of Fate. Ok, il est là. Il va prendre la pink. Ok, il prend la pink, je peux push très très vite. Je fais pas le beau, hein. Je veux cette plate, hein, mais... Renekton me regarde, il me souffle dessus et... Et je meurs. On est late pour le Drake là. Je vais aller ward. Je les ai baisés, sauve-moi. Non. Tue-le. Nice. Ok, good job. Nice. Ça, j'ai clutch le move. J'ai le flash Shori. On va faire bot rang 2 quand même. On a eu Drake aussi. Vas-y, on fait bot rang 2, je pense, la prio. Bon, je n'aurais jamais eu cette play de bot, malheureusement. Je vais me poser mid. Oh! Ah ouais, Lulu! Ouais, Govarus. Légendaire! Il meurt? Il meurt, frère! J'avais dit, il va falloir qu'il carry, bah il carry, hein. Avec son Twitch. Oh, mais il prend tout par contre, partage un peu quand même. Je peux où est Ori? Ah ouais, ça va tuer Renek. Ok, je vais aller top. On n'est pas si mal. On a des bons carries en vrai de vrai. Il est vraiment un V9 avec son crocodile, donc ça doit aller. Ah ouais, c'est fine. Veto est très très bien dans la game aussi. C'est rassurant. Il
Pas sur top un peu, il est une TP René quoi, il est une TP, et pour leur clos. Bon, il me one shot littéralement. Hein. Pas littéralement, non, pas littéralement. Je pense que c'est qui. Et oui. Putain, oui. Ouais, du coup, voilà. J'étais en mode, je pense que c'est qui exact, mais c'était Oriana. Oh, il y en a. Ils vont venir me chercher, ouais, je pense pas quand même. Shockwave Ori, ça peut clutch le fight. J'ai vu les HP de Vi, il y a moins que ça ait clutch. Nice. On va prendre cette T1. Bon là on est bien, on est en train de les stomp. Nice. Allez, faire ça, récupère les 300 gold. De la T1 top. On pousse ta vie, j'ai le règle dans 50. On est... Ouais, c'est bien ça. J'ai pas mon item malheureusement, mais. Ah oui, ça coûte cher quand même. Hein. Ça coûte aussi cher qu'une IE. On a vu la ward mais le ping ne fonctionne pas. Je vais repusher un peu le bot. J'ai mon ulti dans 2. J'ai peur de face check là-dedans là. On sait jamais hein. Renekton qui m'attend, il met auto-attaque Z. Auto-attaque Q-spell, je pense que je suis mort. C'est nice, on fait les early drake et tout, plus c'est bien. CD, tout tient encore l'ult. J'ai vraiment envie de flash in. Y'a pas de ward? Ok. Bon, Renekton a flash, il a pu reprendre le shutdown Twitch. Il a raison, il a raison. Faut que je recall. Ça fait quoi, Navori? Ça. Oh pardon, je vais pas te troller. Ça. En gros, les autres, ça augmente les dégâts de tes compétences en fonction de ton pourcentage de crit. Et chaque auto-attaque réduit le CD restant de tes sorts de 15%. Je crois, je suis pas de conneries. C'est ça. 15% des CD restants, hein, pour 15% de global. Mais. Regarde, là, je vais te montrer. Je vais appuyer sur Z avec Z, tu vois le CD comme il descend à chaque auto. Ça, c'est Navori ça. Ok, j'arrive. Je crois que ce qu'il troll pas, ouais, j'avoue, je suis. C'est. Ouais, ça arrive, ça arrive. Trop dans le mood là. J'allais push toi vite fait. Faites gaffe à vous. Je repush top une wave. J'ai mal au bras. Ça m'énerve ça aussi. Hein. Mal au bras tout le temps, mal au poignet tout le temps là. C'est pinké là-dedans, attends, on va clear tout ça là. C'est pinké là aussi. On va clear ça aussi.
Pas trop chaud de 50-50, hein. Ok. Faut que je me colle à Twitch, surtout pas. Désolé, hein, démerde-toi avec Renekton. Ok, ouais, normalement ils FF. Hein. Vas-y, va push. Oh là, je suis encore low. Va push top. En vrai, je vais recall fast. Je fais quoi? Je fais. Ah, je pense que je vais go dans son fantôme. Je push fast pour commencer à pré-shot le push bot déjà, avoir la pressure, pouvoir jouer le Drake et tout, jouer la, la T de bot, etc. Comment savoir si c'est mieux d'avoir eu ou eu en termes de dégâts sur GP par exemple? Bah, tu utilises une calculatrice. Tu regardes, tu poses les stats. Si vraiment tu sais pas et que t'arrives pas entre guillemets à avoir la logique de Theorycraft, on va dire, bah juste tu. T'es en mode, ok, bah imaginons j'ai une IE et un item, est-ce que je fais. Enfin, tu vas en custom, t'achètes les items, tu testes et tu vois. No FF. Ah, y'a un bet sur la durée de la game. Bah, ils ont pas FF. Normalement, ils auraient FF là. Hein. S'ils ont pas FF au fight qu'on a pris là, ils vont pas FF. Hein. Après, on peut finir la game d'ici là, mais. Je pense que c'est worse. J'ai investi beaucoup mais on le tue, on est sur une phase de pressure en H, on a déjà tué un mec. Tu changes shockwave là? What? Ok, il y a trop personne. Même pas eu de personne hein. Un peu trollé dans ma team. Je suis pas sûr, on a compte quand même que la différence de dégâts. Là, je suis un tout petit peu, je pense, mais vraiment à peine. Plus faible que tout à l'heure avec Ezreal. Je sais pas si on a compte de la différence de dégâts que je mets par exemple sur Zac. C'est. Vraiment, c'est gargantuesque. Hein. Genre tout à l'heure avec Ez, j'étais genre en 9-1-12, un truc comme ça. Là, je suis en 11-1-10, tu vois. Sensiblement la même chose, on va dire, sur le Spike 3 item. C'est un monde. Hein. Je peux encore mourir, on va faire gaffe. Ok, oh, je coûte tellement cher. Il est revenu si vite, Rakan! Oh, c'est FF! GG. C'était quoi? C'était 25 minutes la durée de la game? Oh, je suis désolé. Ah, je suis désolé! Pas de chance, hein. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Vas-y, on va dans VTO. Pit 17 plutôt sur Ezreal. Ouais, mais j'étais en 9-1 ou 9-0, je crois. Et après, effectivement, je termine la game en 9-8. Parce que le perso pue. Tu gagnes plus de LP, ça y est. Bon, clean game de Xayah, on a bien joué. Twitch, pour le coup, j'étais en train de faire clean 9 la game, il a 9 la game. Bien joué à lui. Il a pris les kills en early, il a fait le taf avec. GG, well played.